Yeah.
Gloire à Dieu, mes amis, mes frères et sœurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie et voilà, on a eu à cœur de commencer par ces chants de louange, d'adoration à la gloire de Yeshua, à notre Maître. Seigneur, nous te confions cette soirée. Nous voulons te dire merci pour toutes ces belles choses que tu nous permets de vivre, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta présence, Seigneur, en ces lieux. Nous voulons, Seigneur, partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, t'élever, te magnifier, t'exalter, Seigneur. Prends toute la place qui te revient, Seigneur, et la gloire qui t'est due. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi, Père de gloire. Amen. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, on a voulu ce soir, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, hein, partager la parole avec notamment la jeunesse qui se trouve avec nous. Et on a commencé un peu plus tôt, voilà, pour casser un peu les habitudes. Donc, ceux qui sont toujours prêts, ben voilà, ils sont enlevés. Comme lors de l'enlèvement, donc ceux qui seront prêts, ben, ils partiront. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, comme on vous a promis lors de la veillée du 30 avril, pardon, et on vous a promis de faire une émission, parler un peu du témoignage de notre sœur qui était ordonnée, qui a été ordonnée pasteur évangéliste et qui a renoncé à cette ordination et qui a eu le courage de revenir au Seigneur, à la vérité. Et je crois que vous êtes nombreux à vous connecter ce soir, à être connectés ce soir pour suivre éventuellement cette émission. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. D'accord. Alors, je ne sais pas si du côté de l'équipe technique, si on entend bien sa voix. Donc, je ne sais pas si il y a le retour. Hein, donc, on est au niveau de la télé chez les gens. Alors, est-ce que depuis la veillée, est-ce que tu as eu des retours, des gens qui t'ont appelé, des réactions, tout ça et... Depuis la veillée, je n'ai pas eu beaucoup de réactions. D'accord. Bon, mais j'ai quand même eu ma belle-fille qui est... mariée à mon sixième fils, qui est actuellement en vacances à Lyon. C'est elle que j'ai eue, mais elle m'a rappelé beaucoup de choses que je ne me souvenais plus pendant l'ordination. D'accord. Et je n'ai pas encore eu des réactions, mais je pense que j'en aurai. Forcément, forcément. Et donc, tu as été ordonné pasteur évangéliste? Oui, j'ai été ordonné pasteur évangéliste en 2010 au Cameroun. Par deux évêques, l'archevêque et un évêque, l'évêque du Gabon et l'archevêque du Cameroun. Et il y avait 70 pasteurs qui ont assisté à cette ordination. Donc, ils m'ont entouré. Ils m'ont mis 70 pasteurs. Pardon? Évêques. 70 évêques. Ils sont, je ne sais pas, ils sont évêques. Est-ce que j'ai le droit de dire? Il n'y a pas de souci. On dit tout ici. J'ai été ordonné par l'évêque Moulaka du Gabon et par l'archevêque du Cameroun, Mokomo. Bon, il a beaucoup dans ce qu'ils m'ont donné, il a beaucoup de... Wow, donc beaucoup tu as ramené tout l'arsenal. Ça, c'est parce que ce que j'avais donné l'autre jour... Je me suis aperçu en fouillant que c'est des photocopies. Et les originaux. Oui, les originaux. Ok, parfait. Et j'ai retrouvé les originaux. D'accord, parfait, parfait. Alors là, on montre d'abord aux frères et sœurs, cette espèce d'écharpe-là. Voilà. Donc, qu'on avait donné à notre sœur pour la diriger vers l'enfer. Et cette écharpe. Avec la croix dessus. Vous allez retrouver ce type d'écharpe partout, hein, donc lors des ordinations des bishops. Alors, je ne sais pas, l'équipe technique, c'est possible, Laurent, justement, de nous retrouver sur YouTube une image d'une ordination. Si vous tapez sur YouTube « ordination pastorale », vous allez tomber certainement sur des vidéos. Si c'est possible, hein, sinon on ne va pas trop vous mettre la pression. Et voilà, donc là c'est le chapeau que vous allez retrouver aussi, David, lors de la sanction de diplôme, lorsque les étudiants des universités bibliques, tout ça, sont sanctionnés, et on leur donne aussi des chapeaux. Et voilà, donc si on peut retrouver ces images-là pour aider les frères et sœurs qui sont chez eux, pour leur montrer à quel point nos églises sont malades, à quel point ces églisettes que j'appelle mes amis sont...
retourner à la maison mère, c'est-à-dire à l'église romaine, à l'église catholique romaine. Voilà, donc ça c'est vraiment du charabia, c'est vraiment de la confusion totale. Donc en plus c'est assorti, hein, donc le chapeau est assorti avec cette, mes amis, soutane, et, voilà, qui pèse hein, quand même. Hein. Elle pèse, elle doit peser au moins, je ne sais pas, 4 à 5 kilos comme ça, là, vraiment là, sur les épaules, là, à force de la porter, les gens finissent par avoir des problèmes de santé. N'est-ce pas? Tellement qu'elle les écrase, hein, cette soutane. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez vu dans la Bible Paul porter une soutane. Et voilà, donc on va attaquer ces fausses églises-là ce soir encore. Hein. De toute façon, ma tête est déjà réclamée depuis des années, donc je ne peux plus faire marche arrière. Alors là, c'est la carte professionnelle. Donc, j'invite Laurent pour nous zoomer un peu cette carte-là. Église messianique évangélique du Cameroun. Voilà. Messianique Evangelical Church of Cameroun. Voilà. C'est terrible, ça, vraiment. La direction générale. Donc, voilà. Voilà. Pasteur évangéliste. Carte professionnelle. Carte professionnelle. Sans cette carte-là, bien sûr, vous n'avez pas accès, hein, n'est-ce pas, à. Au cercle fermé, n'est-ce pas, des archibishops, archevêques et tous ces prélats, mes amis, qui méritent d'être enfermés ou encore envoyés au Vatican parce que c'est là que se trouve leur place, mes amis. Et voilà. Donc voilà la carte professionnelle. Hein, donc je crois que c'est on a assez zoomé. Hein, donc on est voilà carte professionnelle, mes amis. Quelle confusion avec la photo, bien sûr. Et voilà. Ok, il y a carte professionnelle. Ensuite, donc, bon, bah, il y a avis très important, on m'a fait signe. Hein. Cette carte atteste que son titulaire est au service de nos églises. Elle n'est pas au service du royaume de Dieu, mais au service. Hein. Donc, là, c'est la sœur, hein, donc, notamment. Elle peut donc en aucun cas être prêtée à un tiers. Le titulaire de cette carte n'engage que sa propre personne pour toute action contraire au principe biblique qu'il viendrait à commettre. Donc, voilà. Et carte professionnelle, ça c'est terrible, ça vraiment. Ça, ce sont des dossiers que j'ai, mes amis, là, pour dénoncer encore les églisettes, là. Organisation mondiale des églises pour le réveil. Diplôme d'ordination pastorale, conformément à la volonté de Dieu, hein, du Dieu vivant. Pas du tout. Ce n'est pas le cas, en tout cas. C'est conforme à votre volonté, bien sûr. La sœur, un tel a été. Voilà, et ordonné à la charge de pasteur évangéliste par les membres du directoire de l'Organisation mondiale des églises pour le réveil. Pour le réveil. Voilà. Le réveil, c'est une prise de conscience. Alors, ces gens-là ont pris quelle conscience? Ils ont pris conscience qu'il faut qu'ils repartent à l'église mère, à l'église romaine. Donc, on comprend. C'est une forme de réveil, effectivement. Et le réveil de livrer. Le responsable de l'église protestante réveillée, Normandie, Monseigneur évêque, monsieur, c'est Monseigneur, hein? Voilà, c'est mon Seigneur ici, là. Voilà, c'est ça. Monseigneur évêque Jean-Baptiste Moulaka. Il est mon Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Lui, il est mon Seigneur. Donc, je ne sais pas d'où il tient ce titre-là. Monseigneur archevêque, hein, archevêque, docteur Emmanuel Mekanou, fondateur et président Cameroun. Alors, le premier Monseigneur, lui, vient du Gabon. Donc, il y a une association entre le Gabon et le Cameroun. Alors, ça a donné quoi? Ça a donné, mes amis, une église malade. Voilà, je ne voulais pas montrer. Donc, ça, c'est l'original. Regardez vous-même, mes amis, vraiment, là, dans quel temps nous sommes. Diplôme d'ordination. Qu'est-ce qu'ils vont inventer des choses, là, mes amis? C'est grave. Tout ça, c'est pour arnaquer les chrétiens. Ensuite, vous avez... Là, ministère d'évangélisation mondiale, église Bethsaïda, fondation Jean-Baptiste Moulaka. Voilà, certificat de... Par cette attestation, après délibération et recommandation du conseil des anciens, nous ordonnons comme ministre de Jésus-Christ, madame, épouse, voilà, donc l'évêque Jean-Baptiste Moulaka, les Bwanzoka. Président fondateur des églises Bethsaïda. Oh, que les chrétiens qui sont là-dedans la fuient. Hein. Qui partent de là, parce que là, c'est grave.
Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le journal officiel. Le journal officiel de ton ordination? Oui, non, ça, le journal officiel de... L'association? L'association que j'ai le droit d'ouvrir, une association dans une église en France. Donc maintenant, tu pouvais... En fait, tu étais ordonné pour quoi? Pour représenter leurs assemblées ici en France? Bien sûr, c'est ce que cela veut dire. Oui, parce que forcément, ils deviennent tes pères, parce qu'ils sont deux, donc tes pères spirituels. Donc forcément, tu vas être leur... Voilà, donc en fait, dans le passé, quoi, je veux dire. C'est comme ça, en fait, dans le système religieux, comme tu le sais, quelqu'un qui t'ordonne devient de ce fait ton père spirituel. La preuve en est que l'église que j'ai ouverte ici à Caen avait le nom de Bethsaïda. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça se passe, en fait. On te convoque, hein, on te convoque en Afrique, on t'ordonne. Et ensuite, on te renvoie en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres pays africains pour, n'est-ce pas, être une extension, hein, une succursale de leur, du siège de l'église mère. Hein, donc, et de ces fêtes, hein, donc chaque mois, ben, tu envoies la dîme. Hein, c'est comme ça se passe. Donc si tu n'envoies pas, on t'appelle pour te dire, ben, tiens, ce mois-ci, on te rappelle. Tu as déjà subi ça, non? Oui. Mais voilà. Donc mes amis, voyez-vous-même que je ne dis pas des mensonges. Ce sont des églisettes, ce sont des entreprises. Alors vous comprenez pourquoi ma tête est mise à prix. Vous comprenez pourquoi tout le monde veut m'abattre. Pourquoi? Parce que nous dénonçons leurs pratiques. Voyez? Et je vous dis, plus ils vont parler, plus je veux m'exciter pour parler. C'est pas moi, c'est l'esprit qui me pousse à parler. J'ai pas le choix, parce que quand je vois de telles pratiques, comment voulez-vous qu'on se taise, hein? On convoque les gens en Afrique, on les envoûte, on les ensorcelle ou aux États-Unis et on les envoie en Europe, on les envoie ici et là pour aller ouvrir, mes amis, des succursales, hein, des antennes, hein, qui vont, mes amis, dépouiller les chrétiens afin d'envoyer l'argent en Afrique. Et pour alimenter encore ces bishops, alimenter leur vision complètement charnelle. Et on ne peut pas se taire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà une femme qui s'est convertie réellement au Seigneur, qui a voulu servir le Seigneur honnêtement, et à qui on va dire que tu es pasteur évangéliste. Et on lui met ça dans la tête. Et on lui dit, il faut venir en Afrique, au Cameroun, pour recevoir la sainte ordination. Et on va lui donner un chapeau, vous l'avez vu, on va lui donner une soutane, on va lui donner un diplôme avec sa photo dessus, une carte professionnelle, n'est-ce pas? Et on la renvoie en France et dans le but d'ouvrir une extension, une église, n'est-ce pas, qui va être une vitrine de l'église mère qui, elle, se trouve en Afrique. Et chaque mois, elle va recevoir des appels, de rappels, je dirais, de la part de ses pères. Elle recevait l'appel, le rappel de ses pères dans la foi spirituelle, selon eux. Si elle manquait à son devoir, qui consistait dans le paiement de la dîme. Donc, elle s'est convertie pour suivre le Seigneur. Et voilà, on la transforme en, n'est-ce pas, en un produit, en un, mes amis, en une esclave qui doit amener l'argent. Et des chrétiens qui vont se retrouver dans telles assemblées, n'est-ce pas? Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ben, des esclaves qui servent, n'est-ce pas, à la gloire de ces bishops qui deviennent des archevêques, des monseigneurs, des archevêques. Alors que ces églises, mes amis, n'ont rien à voir avec l'église romaine. Hein. Je veux dire, sur le plan, administratif, sur le plan, même collaboration, mais elles ont imité totalement l'église romaine. C'est impressionnant. C'était la formation des serviteurs de Dieu. Opération Lazare. Lazare n'a pas été déjà opéré, Lazare. Hein? Lazare n'a pas été déjà ressuscité. Qui veut encore opérer Lazare? Opération Lazare. Hein? Qui a opéré Lazare? Le Seigneur n'a pas opéré. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. Il n'avait pas d'appendicite pour pouvoir être opéré. Il n'avait pas une maladie quelconque qu'il fallait, mes amis, extirper de son corps par une opération chirurgicale. Ça, c'est de la sorcellerie, mes amis. Moi, quand je parle comme ça, ils disent, il est fou, il est gourou, tout ça, là, l'équétiste. Arrêtez de vous, on va vous dénoncer. Les enfants de Dieu voient clair au jour d'aujourd'hui. Ils voient clairement, c'est fini vos magouilles, là. On ne voit plus, ils ne vont plus dans vos concerts, la payer, là, c'est fini. Moi, je vais parler encore. Vous savez, vous avez affaire à un fou. Hein. Plus vous l'attaquez, plus il parle.
Parce que je peux parler parce que je sais que j'ai volé l'argent de personne. J'ai été avec la femme de personne. Hein. Vous n'avez aucune preuve. Et il n'y en aura pas non plus. Donc je peux parler. Je peux parler parce que le Seigneur est Seigneur. Parce qu'il m'a dit de parler. Voilà. Même jusqu'au dernier souffle de mon âme, là, tout ça, mon dernier souffle, je veux parler, je veux toujours dénoncer. Je crois que avant de mourir, il me restera deux souffles. Le premier, c'est pour dénoncer tous les faux pasteurs encore, tous les bishops. Là. Le dernier, c'est pour dire, pour glorifier mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme je ne mourrai pas, voilà, on va tous partir à l'enlèvement, donc on est là pour parler jusqu'à l'enlèvement. Je ne sais même pas ce qui m'attrape encore ce soir, là, mais je vous parle encore. Parce que là, ça me... Quand je vois tout ça, là, tu vois, tout ça, là, c'est... Est-ce qu'on peut balancer une image comme ça là, d'une ordination là? On vous traitait ça. C'est la confusion, mes amis. Là, c'est... Et le pire, c'est que la plupart de ces églises, mes amis évangéliques, deviennent comme ça. Hein? À Kinshasa, n'en parlons pas. Hein? Kinshasa est devenue une poubelle d'église. Hein? Une vraie poubelle qui envoie aussi des faux pasteurs dans le monde entier qui viennent à polluer, qui vont polluer les gens. Hein? Et le Cameroun, n'en parle pas. Parce qu'il y a deux pays en Afrique qui ont pollué les pays francophones, qui ont pollué les autres pays francophones avec de fausses doctrines. Le premier pays, c'est le Nigeria. Le Nigeria envoie des bishops qui sont des véritables possédés pour dépouiller les chrétiens. Et ensuite, il y a la RDC. La RDC, et on trouve ensuite le Cameroun, la Côte d'Ivoire. On m'a envoyé quelque chose là, au niveau de la... Est-ce qu'on peut m'amener ma tablette là-bas, là, Regan, s'il te plaît? Mais c'est grave ce qui se passe, mes amis, au jour d'aujourd'hui, dans nos assemblées. C'est impressionnant. Entre les masturbateurs, ceux qui encouragent la masturbation et qui ont pignon sur rue ici en France, qui sont adulés, qui font des programmes, on va les dénoncer jusqu'au bout. On va pas se taire. Et ils pensent qu'on va se calmer. On va pas se calmer. Les enfants de Dieu ne vont plus vous lâcher. Ils vont prier pour que vous soyez convertis, si encore la possibilité. Mais sinon, ils vont vous poursuivre partout avec la parole. On ne va pas se taire. C'est pas possible. Même ici en France, je voudrais seulement appuyer ce que vous dites. Même ici en France, on fait beaucoup d'églises ici en France. Je me souviens, on était dans une église. Là, je ne donne pas le nom, mais on avait signalé au pasteur que... Alors, tu peux. Hein? Maintenant, tu peux te délibérer. Il y avait une sœur qui faisait la prostitution le soir. Mm-hmm. Et dimanche... Elle criait le Saint-Esprit. Alors, on lui a dit, c'est abominable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le dimanche qui suivait, ils ont écrit une lettre, ils ont écrit quelque chose. Ils ont demandé à la sœur de lire et dire que Jésus nous a sauvés. Depuis le temps qu'on a dit, je crois en Jésus, on est sauvés. Donc, même si on fait n'importe quelle bêtise, on est déjà sauvés. Dans la prostitution, même si elle prostitue, elle est déjà sauvée. Wow. Parce qu'on l'a baptisée dans l'eau, donc elle n'a plus rien. Tu ne veux pas dire le nom de cette église parce qu'il faut le dire. Parce que beaucoup de gens risquent de continuer à y aller là-bas. À y aller. Et c'est des Français souches. Mais c'est quelle église ça? C'est... Mais il ne faut rien te faire, maintenant t'es libéré. C'est l'église baptiste. Mais il y en a plein d'églises baptistes. Oui, il y avait... Eh ben ça, c'est... Chez les baptistes, ils disent ça, sauver une fois, sauver pour toujours. Donc ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a plus rien à payer, on n'a plus rien à suivre, on n'a plus rien à faire. On est sauvé une fois pour toutes. Wow. Et dès que ce pasteur avait... Ça s'était passé dans cette église. Et ils ont... le même jour, ce pasteur a dit que le Saint-Esprit n'existait pas et que la guérison miraculeuse n'existait pas. À ce jour, je suis sortie avec tous mes enfants et mon mari. Je leur ai dit que je ne peux plus rester ça, dans cette assemblée parce que si je reste là, Dieu dira que moi, j'étais complice. Et wow. Je suis parti avec toute ma famille. Waouh. Laurent, tu vois le travail qu'il y a à faire au niveau du Cameroun. Hein? Tout à fait. Ça, c'est aussi en France. Hein? Non, mais je veux dire, parce que, par rapport à ton témoignage, quoi. Ouais. Parce que c'est au Cameroun que tu as été ordonné. Et moi, je crois que tu vas beaucoup faire le Cameroun aussi, là, pour... Et moi, donc. Amen. Parce que c'est pas possible. Quand je vois ça, là, est-ce que ça vous choque, vous, les jeunes? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez un peu, là? Dites-moi un peu, là. Toi, quand tu as vu ça, là, qu'est-ce que tu as... Ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand la sœur témoigne. Quand elle est venue à la maison, elle m'a tout montré. Je me suis dit, où va l'église? Ça, c'est ici. C'est là, le journal c'est... officiel. Ouais. Okay. Donc, c'est le numéro. Okay. Qui est dans le journal officiel. Donc, vraiment. Église Bethsaida.
Église Bethsaida. Mmh. Ouais. Bethsaida, ouais. Si on a vu ça, donc elle a mis tout, il y a d'autres même écoles pastorales. Donc, elle était vraiment dedans. On va nous montrer les images là, de tous ces bishops congolais, américains, tout ça là, qui portent des soutanes là. Il faut tous. Là, il y en a beaucoup, hein, même les Simbakadi, tout ça là, ils commencent à mettre des soutanes. Il faut tous les montrer. Mais je là. Regrette même parce que c'est resté dans ma maison. J'ai une photo comme ça. Parce que quand je partais évangéliser là, vous allez voir même le bishop Moulaka là, il était dedans. Donc j'ai oublié ça dans ma salle. Donc c'est une photo comme ça que vous pouvez. Que tous les vrais pasteurs qui ont eu des soutanes, qu'ils viennent les déposer là, qu'ils les brûlent, mes amis. C'est la convocation du Seigneur. Le Seigneur revient, il faut vraiment quitter, abandonner cette sorcellerie qui vient de l'enfer, qui vous envoûte. Voilà, donc on va vous montrer les images là, parce que là, c'est vraiment, on est vraiment à la fin, là, c'est la confusion totale. On va passer la tablette là, et, mes amis. Et l'ordination, qu'est-ce que la Bible dit, justement, pendant que les images sont préparées, et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'ordination? Alors, on m'a envoyé une image là, terrible, là, mes amis. Là, c'est en Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, là, vraiment, là, que Dieu aide cette nation, parce qu'il se passe tellement de choses aussi en Côte d'Ivoire avec les faux prophètes, là. Oh, Seigneur, sauve-nous. Alors, voilà. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'image, là, pour pouvoir vous l'envoyer. Je ne sais pas comment on va faire. Et, je vais te l'envoyer par... Je te l'envoie, David, par mail. Et c'est impressionnant, on est vraiment à la fin. Voilà, David, je te l'ai envoyé une image là pour montrer aux frères et sœurs. C'est vraiment la confusion, on est vraiment à la fin là. On ne comprend plus rien là. Enfin, la parole nous disait et nous dit que beaucoup vont abandonner la foi. Et on est vraiment en ce temps là où la foi chrétienne est de plus en plus combattue. Et voilà, donc rejeté et abandonné, délaissé au profit d'un évangile, n'est-ce pas, édulcoré, un évangile light, et à l'eau de rose, hein, un évangile complètement mélangé et politiquement correct, voilà, qui plaît à tout le monde, qui passe partout. C'est du New Age, tout simplement. Ce n'est pas l'évangile qui sauve, l'évangile qui amène les gens à se repentir véritablement. Donc, lors de ton ordination, tu disais à la veillée qu'on t'a donné un bâton. Lors de mon ordination, on m'a donné un bâton qui avait à peu près la longueur de ce micro. De ce micro, mais pas la longueur. Mais ils t'ont dit est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi c'est ce bâton Non, puisque quand on a amené, quand on m'ordonnait, on avait préparé une bouteille d'huile et puis le bâton. Donc, quand on m'a ordonné, comme je ne voyais plus parce qu'on m'avait mis l'huile sur la tête. On t'en a tellement mis que ça suintait. Ils avaient des cornes. D'accord, comme David, quoi. Comme oui. Voilà. Donc, on m'en a beaucoup mis. Alors, ça coulait sur mes yeux, je ne voyais pas. Donc, ils m'ont donné l'huile, cette huile. Toute une bouteille d'huile d'olive. D'accord. On m'a dit, si cette huile, si je trouve un mort, si je veux le ressusciter, je peux oindre sur le mort. Si je trouve quelqu'un qui est en train de mourir, qui agonise, et que je ne veux pas qu'il meure, je mets sur lui, et il va ressusciter ou va revenir en vie. Et quand l'huile commence à baisser, je remets une autre huile. Ainsi de suite, et que je ne sorte ça, cette huile qu'en cas d'extrême, que je ne la sorte pas tout le temps. Et on retrouve donc ce principe-là chez les catholiques, l'extrême onction. Et que s'est passé avec ta bouteille? Quand on me l'a passé, comme j'avais l'huile partout, j'étais là-bas avec une Française qui est ici. Je pensais qu'elle était derrière moi, donc j'ai pris l'huile comme ça, et j'ai fait comme ça, je pensais que c'est elle qui a pris. Donc, c'est quelqu'un d'autre parmi le groupe des pasteurs qui a pris l'huile. Et qui est parti avec. Est-ce que tu as eu des vents? Tu n'as pas eu d'écho si ce pasteur a ressuscité des morts avec cette huile? Non, tu n'as pas eu. Non, je n'ai pas eu d'écho parce qu'on a soupçonné un assistant pasteur. Et le lendemain, 3 jours après, il me ramène une bouteille d'huile d'onction. Le pasteur en question. Qu'on avait soupçonné. Il me ramène. Donc, cette huile, moi, je ne l'ai pas touchée. C'était même plus la même huile. Il l'a remplacée par une autre bouteille. Oui, par une autre bouteille. Je ne l'ai même pas touchée. Bon, j'ai demandé aux enfants de la verser par terre. D'accord.
Donc, et le bâton. Le pasteur a volé ton huile. Oui. Bon, c'est bien, ça m'a fait du bien. Bon, et puis, le bâton, quand on voulait me passer le bâton, on me dit voilà le bâton de commandement. J'ai dit non. Moi, je suis très négligente. Je veux le jeter n'importe où. Mm-hmm. Et puis, je veux oublier. Et puis, j'ai des petits-enfants et tout. Bon, peut-être qu'ils vont. Donc, j'ai dit non. Je le bâton de commandement. Oui. Donc, je n'ai pas pris le bâton. C'était un bâton à peu près noir comme ça. Et le bout devait être rouge. Waouh! Si je ne me manque pas. Comme une allumette, quoi. Oui. Et puis, j'ai dit non, je ne prenais pas le bâton. Mais tous ceux qui m'avaient. Tous les pasteurs, sauf l'évêque Moulaka, mais tous les autres qui m'avaient ordonné, ils avaient ce bâton. Waouh! Mais est-ce que tu réalises aujourd'hui que tu as été initié à la sorcellerie à ton insu? Pourquoi est-ce que je suis venu ici? Je suis venu parce que quand j'ai entendu le message, je me suis dit mais où suis-je? Mais avant même le message, je doutais déjà dans mon cœur. Mm-hmm. Parce que j'ai eu trop de problèmes, mon mari est décédé, ma maison brûlée, l'accident de voiture et ceci, cela. Et puis j'ai commencé à me poser la question, est-ce que ce n'est pas cette ordination qui en est cause. Si, si. Et quand j'ai vu donc le message, j'ai sursauté, je me suis dit, Seigneur, donc j'ai été ailleurs. Et quand j'ai appelé le pasteur de Nantes, je l'ai oppressé. Je lui ai dit, mais je ne veux pas mourir avec. C'est-à-dire, je me disais, je vois la mort. Le pasteur Maurice, quoi. Oui, Maurice. Okay. Okay. Je me suis dit, quand si je meurs avec tout ce que j'ai, c'est l'enfer. Mm-hmm. J'avais compris ça. Et il m'a dit, c'est comme tu es en Normandie, je t'envoie chez un frère. Donc il m'a envoyé chez le frère Moïse. Et quand je suis allé chez le frère Moïse, le premier jour, je ne lui ai pas dit. Le deuxième jour, je lui ai dit, frère Moïse, comme tu vois là, je suis surchargé. Mm-hmm. Bon, je lui ai dit. Là, c'est sûr qu'avec une soutane qui pèse 4 kilos. Moi, c'est, mais je comprends sur le plan spirituel. Oui, spirituellement, je me sentais surchargé. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Je me sentais surchargée et en plus de ça, je suis tombée malade depuis un an. Waouh! Depuis un an, j'ai tout perdu, tout. Des pasteurs, mes amis, frères et sœurs, vous qui nous suivez. Tout perdu. Des pasteurs ne se rendent même pas compte, alors que certains sont sincères. Ils vont se faire ordonner avec de l'huile, avec soutane, se faire imposer les mains par des gens qui eux-mêmes ont été initiés chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, tout ça. Et ils viennent, mes amis, ils vont se faire ordonner, ils reçoivent sans se rendre compte des démons. C'est ça. Ils font des alliances, ils font une alliance avec Lucifer. Et voilà comment notre sœur, qui avait son mari, qui était en bonne santé, qui avait une... En bonne santé, sans rien, en 10 minutes, comme nous parlons comme ça, il est mort. Il n'était pas malade. Sacrifice. Rien, pas malade, sacrifice. Sans rien. En 10 minutes. Il a été sacrifié. Il a mangé, on riait, comme lui et moi, on blaguait beaucoup ensemble. Alors, j'entends ronfler, je lui dis, dis donc, je te donne un coup de pied. Il n'a pas répondu, parce qu'on blaguait beaucoup, on était comme des frères, comme une sœur et un frère. Il n'a pas répondu, c'était un français, énormément un français de souche. Mm-hmm. Et il n'a pas répondu, et ça m'a surpris, parce que quand on faisait ça, il répondait. Dès que j'ai tenu sa main comme ça, j'ai dit, j'ai vu la main qui m'a suivi. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'allume, dès que j'allume, je vois les urines sur le lit. J'ai dit, mais mon mari s'en va où? J'ai commencé, comme je suis aide médico-psychologique, j'ai commencé à lui faire la respiration artificielle. J'ai même fait le bouche à bouche. Après, il a fait ça, il m'a regardé comme ça, il a ri et c'était tout. Avant que le secours n'arrive, il était mort. Waouh! Puisque je suis du métier, je savais. Quand on est venu me faire sortir, je leur ai dit, mon mari est mort avant votre arrivée. Waouh! C'est comme ça, je vous dis, comme en 10 minutes. Il était en bonne santé. Ouais. Ça faisait un mois seulement qu'il était parti voir le... Comment c'est lui qui suit le cœur. Il était en bonne santé normalement. Son cœur était en bonne santé. En bonne santé. Bon état. En bonne santé. Quand je suis allé voir notre docteur traitant, quand je lui ai dit... Parce que comme on partait toujours à deux, on était toujours à deux. Alors il riait, il ne me voyait pas. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a à Madame Escrignac? J'ai dit, mon mari est mort. Il a jeté son ordinateur partout, tout ce qui était sur sa table. Il dit, ce n'est pas vrai. Mais... Le monsieur, je le suis depuis 2003. Et tu me dis quoi? Je lui dis, il est mort brutalement. Le docteur n'a pas cru. Il n'avait pas d'antécédent, pas du tout. Il était même plus solide que moi. Pas du tout. Voilà, parce qu'il y a eu cette ordination. 70 évêques ont entouré notre sœur pour lui verser de l'huile sur la tête, lui proposant un bâton aussi court que ce micro,
un bâton noir, et lui donnant cette soutane avec ce chapeau que l'on vous a présenté. Pas me donnant, c'est l'évêque Moulaka qui m'a habillé. Qui t'a habillé? Oui. Ben voilà. Il y a une chemise et le col, et c'est lui qui m'a, il m'a amené dans une chambre, il m'a habillé. Tu t'es déshabillé? Non. J'avais quand même, j'avais les trucs, j'avais une jupe, j'avais un ensemble, et j'ai seulement enlevé la veste comme ça, et puis il m'a habillé. Comment un homme peut aller habiller une femme? Il m'a habillé, mais les gens qui m'ont vu sortir de cette chambre disent que quand je sortais de cette chambre, je n'étais plus moi-même. Bah ouais, tu étais initié. Tout le monde qui m'a vu sortir de cette chambre, il dit que je n'étais plus moi-même. Tu étais initié. Voilà, tu étais initié à ton insu, ma soeur. Sans le savoir. Sans le savoir. C'est pour cela, après l'émission, nous allons prier pour ta délivrance. Parce que c'est pas normal, frère de soeur. Vous vous rendez compte vous-même, c'est pas nous. Hein. Voilà ce qui se passe dans les églises. Voyez. Et une sœur qui se convertit pour aller au ciel. Et voilà comment des pasteurs, des bishops, des archibishops vont, mes amis, l'appeler pour faire d'elle leur fille spirituelle. Quittez ces églises où on vous dit que vous êtes des fils et des filles spirituelles de ces bishops. Et ils vont lui faire une ordination avec de l'huile, avec un bâton, tout ça avec soutane, chapeau, écharpe, n'est-ce pas, collet clérical, n'est-ce pas? Et combien de temps après que ton mari est mort quelque temps? Combien de temps après? Mon mari est mort, j'ai été ordonné en 2010 et mon mari est mort le 14 octobre 2012. Donc 2 ans après, son mari, qui est en bonne santé, va mourir devant elle. Sa maison était une belle maison. On avait construit nous-mêmes. Construite par. Le fer était là. Eux-mêmes, ils l'ont construite. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va être incendiée, elle va brûler. Sans savoir sans, qui tenait le feu. Voilà. Sans qu'elle ne sache qui a mis le feu. Et ensuite, leur voiture accidentée, cassée complètement. Et l'assurance qui ne veut pas. Rembourser. Voilà. Vous avez vu, frères et sœurs, les conséquences. Et elle-même, maintenant, elle a des problèmes de santé depuis. Donc, sans se rendre compte, alors que Dieu l'a appelée à être une chrétienne tout simplement normale pour suivre le Seigneur, elle va s'engager dans des voies, mes amis, tortueuses. Elle va faire alliance aux démons, avec des démons. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, mes amis. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons à partir du verset, et mes amis, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset et 27, hein, la page 1061. Là, ça tremble pas chez les gens? Ok, on peut y aller. Avant de lire le passage, on va montrer quelques images aux frères et sœurs. Voilà cette image comment on voyait un prédicateur en Côte d'Ivoire, donc. Et qui va, n'est-ce pas, faire une affiche pour un certain programme. Et le thème, c'est quoi? Merci Satan. Ok. Ben vous lisez bien là. Merci Satan. Vous voyez? Le 5, le 6 et je crois que, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, ben, les gens chez eux, ils voient l'image correctement. Et là, voilà. Donc, merci Satan. Le thème, c'est ça. Et c'est à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. Mes amis, dans les assemblées. C'est pour cela que les familles, n'amenez plus vos enfants dans ces assemblées. Protégez vos bouts de chou. Protégez vos enfants. Ça, c'est un conseil gratuit. Voilà. Voyez? Et c'est grave. Donc, ensuite, on va nous montrer les images d'ordination. Voilà. L'ordination, ici, je crois que chez les catholiques, l'image... chez les catholiques. Et c'est la même ordination chez les francs-maçons, tout ça là, la même chose. Ils s'allongent comme ça aussi. Voyez? D'autres images, voilà, là chez les pasteurs, les églises évangéliques. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on m'avait ordonné. C'est comme ça que tu as été ordonné. Mais moi j'ai été entouré. Toi tu as été entouré. Ben voilà, tu as été initié. Voilà, c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie, la haute magie, magie noire, magie blanche. Hein? Donc une autre forme d'ordination. On va balancer les images hein, pendant que nous parlons. Et c'est quand même incroyable de voir à quel point, et, mes amis, nos églises sont devenues malades. Voilà. Donc,
C'est quand même incroyable, c'est grave, mes amis, de voir le tas, hein, l'état, pardon, l'état de nos églises. Donc, on continue à balancer les images, que vous voyez vous-même un peu ce qui se passe. Et voilà. Et l'ordination, les ordinations complètement démoniaques, sataniques. Que le Seigneur vous garde, mes amis. Priez pour vos enfants, priez pour vos femmes, vos maris. Voilà. Exactement. C'est incroyable. Donc, les images que l'on voit là, mes amis, on va montrer donc, avec soutane. Hein, donc, il y a des ordinations avec soutane. Voilà, on leur donne des chaises comme des trônes. Ils sont assis là et c'est impressionnant, mes amis. Les temps sont compliqués. Voilà. Donc, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de vos yeux parce que l'heure est grave. Vous voyez, l'heure est grave. Le Seigneur revient, frères et sœurs. Nous devons nous préparer pour ce retour glorieux. Et c'est vraiment c'est grave. On va ordonner une personne et elle va tout perdre, son mari, sa maison, sa voiture, sa santé, voyez, et ceux qui prient pour les personnes ordonnées sont souvent en soutane, comme vous le savez, comme vous le voyez vous-même. Et aucun apôtre n'a procédé ainsi. Aucun apôtre, je dis bien, n'a procédé ainsi. Nous sommes membres de l'Ecclésia, membres de l'Église de Yeshua. Aucun apôtre n'a ordonné quelqu'un. Aucun prophète, aucun pasteur, mes amis, dans la Nouvelle Alliance, n'a procédé à une quelconque ordination. C'est du satanisme, c'est de la haute sorcellerie, hein, c'est de l'envoûtement. Et vous qui allez dans ces églises où il y a ces ordinations, hein, quittez-les, courez, prenez vos enfants, amenez-les ailleurs. Vous risquez de subir la colère de Dieu. Vous risquez, mes amis, de vous retrouver avec des démons, avec des esprits impurs. Et donc vous devez véritablement choisir qui vous voulez servir réellement. Voilà. Donc c'est quand même impressionnant. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, c'est justement, nous lisons à partir du verset 27: c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement. Et je dis 1 Corinthiens 10, pardon. Voilà. 1 Corinthiens 10, verset 27. Voilà. Et voilà, on va commencer même à partir du verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, est au Seigneur. Si quelqu'un des infidèles vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qui sera mis devant vous, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit « ceci a été sacrifié aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a averti et à cause de la conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, est au Seigneur. Or, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Et si par la grâce j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? N'est-ce pas? Donc, en fait, c'est verset 21 plutôt. Voilà ce que je me disais effectivement. Voilà. Mais je dis, verset 20, 1 Corinthiens 10, 20. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Paul mettait en garde les Corinthiens en leur disant qu'ils ne devaient surtout pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Or, l'ordination, justement, l'ordination n'est autre que, mes amis, rien d'autre que la participation à la table des démons. Il y a une alliance qui est conclue entre
la personne ordonnée et les démons. Et c'est pour cela les conséquences, mes amis, les gens les vivent comme notre sœur. Les conséquences, c'est la mort de son mari, c'est la perte de sa maison, c'est tout ce qu'elle a perdu, elle a perdu tout, et sa santé. Vous voyez ? Parce qu'elle s'est fait initier à la sorcellerie à son insu. Ces hommes qui pratiquent l'ordination comme ça, mes amis, je vous dis, ce sont des gens qui sont influencés par des pratiques franc-maçonnes, par des pratiques, mes amis, romaines, et par des pratiques, mes amis, gréco-romaines. C'est de la sorcellerie. Voilà. Et c'est grave de voir, mes amis, c'est terrible de voir le nombre de pasteurs évangéliques qui sont ordonnés aujourd'hui. C'est impressionnant de voir le nombre de chrétiens, mes amis, qui aiment ces choses. Oh, Seigneur, sauve-nous. Alors, voilà, vous qui êtes chez vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, appeler pour éventuellement partager ou témoigner ou je ne sais pas. Et donc... c'est quand même incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mesures maintenant l'ampleur de cette, n'est-ce pas, cet acte que tu as posé de... Oui, je mesure l'ampleur. C'est pour cela que quand j'ai suivi, je vous ai suivi sur l'ordinateur, mm-hmm. je me suis... c'est ça qui m'a poussé à venir vous voir parce que je me suis dit... Après le micro. Je me suis dit, je me suis engagé dans quelque chose que je ne connais pas. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que Dieu m'a donné quelque chose. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me souviens quand je venais de me convertir, j'avais 3 mois dans la conversion. Et mon pasteur m'a envoyé à la réunion des serviteurs de Dieu. Mm-hmm. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, non, moi, je ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Il me dit, va. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait 6 Américains et beaucoup d'autres. Il y avait à peu près 200 à 300 pasteurs. Mm-hmm. Donc, ils ont commencé à donner les enseignements. Et quand ils ont commencé à donner les enseignements, ils ont dit, à 10h, 10h30, ils ont dit, depuis 8h, Dieu nous demande, nous dit qu'il y a une personne dans la salle qui l'envoie. Et nous ne connaissons pas la personne, nous voulons connaître la personne. Donc, on va commencer à adorer, à prier. Et quand vous allez voir que, quand vous êtes là, ce sera la pause. Sortez, ne touchez pas votre frère, même s'il tombe par terre, même s'il fait quoi, ne le touchez pas. Donc, ils ont commencé à faire ça et je me suis retrouvé entouré de tous les pasteurs, les mains levées. J'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et je pleurais. Donc, ils ont dit, ils m'ont tous entouré. Après, ils ont dit qu'il y a cette femme dans son assemblée. Mon pasteur est venu, on lui dit, enseigne le bien. C'est une femme qui ira loin. Ne l'emprisonnez pas. Si vous l'emprisonnez, vous ne pourrez pas parce qu'elle ira loin. Donc, je pense que ça a commencé comme ça. Mm-hmm. Et ça a commencé comme ça. Et là, moi, je ne voulais pas depuis 1995. On voulait m'ordonner. J'ai cru, j'ai donné ma vie au Seigneur à la fin de l'année 92. Et depuis 1995... on me suivait de cette affaire d'ordination. En 98, le pasteur Assala, qui est mort, malheureusement qu'il est mort, ils m'ont cousu une soutane noire. Wow. Et tout pour m'ordonner. Et je suis venu en France. Wow. Je ne voulais pas de cette... Je n'étais pas convaincu. Je ne voulais pas... Donc depuis 95, cette histoire m'a suivi jusqu'à ce que je suis tombé dans les mains de ceci. Et qu'est-ce qui m'a fait tomber dans les mains de ceci? Ceci, parce que j'ai cru que c'est ça, je priais. Mon mari, en 2009, n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Donc, je priais dans les toilettes, où, quand il sortait, il partait prendre le petit déjeuner dans la cuisine en bas. Moi, je restais dans la chambre, je priais. Donc, j'ai pris à 8 heures, j'ai pris ma Bible. J'ai commencé à lire et j'ai commencé à prier. Bon, d'après ce que mon mari me dit, je suis parti. Donc, je suis partie, je me suis retrouvée avec 2 enfants qui m'accompagnaient. Tu es partie où? Je ne sais pas, je lui dis que je ne parlais plus, je ne voyais rien. J'étais, c'est comme si j'étais sortie de mon corps et moi, je suis partie. Donc, je partais et j'ai vu 2 enfants qui sont venus, qui m'accompagnaient. Donc, j'ai dit tout court. Bon. Et arrivé donc à un certain endroit, je me suis tenue sous l'olivier. Et sous l'olivier, j'ai vu quelqu'un qui est descendu. Il était habillé en blanc, je n'ai pas vu sa face, qui m'a tenu là. Il m'a dit, il faut croire, je suis proche, je veux bientôt arriver, va, raconte tout ce que tu as vu.
va raconter tout ce que tu as vu. Et après, j'ai dit tout court parce que c'est très long. Parce que c'est commencé à 8h jusqu'à 14h. Donc, je suis parti et j'ai commencé à dire, venez, venez, voyez Jésus, venez, Jésus arrive, Jésus vient bientôt. Tout le monde me guettait comme ça, les gens rentraient. Jésus, le voilà, vous ne le voyez pas, il est là. Je pleurais, donc les larmes coulaient. Mon mari dit que les larmes coulaient et j'avais les yeux ouverts comme ça, sur place, pendant des heures et des heures. Et lui, il pleurait, il disait que je me suis suicidé. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je me suicide? Donc, je suis revenu. Pour revenir encore maintenant, entrer dans mon corps, je ne voulais plus. Parce que je trouvais que mon corps était sale. Je ne voulais plus. Donc, je suis resté là. Lui, il pleurait. Au lieu d'appeler les SAMU, lui qui ne croyait pas, il a pris la Bible. Il s'est mis à lire la Bible. Et à 13h30, j'ai commencé à bouger le bras. Après midi, j'ai bougé le pied. Et j'ai commencé à trembloter dans le lit. Et il pleurait toujours, il me dit, qu'est-ce que j'ai fait ma femme pour que tu te suicides? Et donc après, je me suis levé, je lui dis, appelle-moi le pasteur, comme il a dit, je peux dire le nom, le pasteur Vives, Christian. Parce qu'en ce temps-là, c'est dans son église que j'étais. Il me dit, si c'était moi, je n'allais pas appeler un pasteur, j'allais attendre. Je dis, non, appelle-le, je ne peux pas porter ça toute seule. J'ai appelé le pasteur, je lui ai expliqué, je tremblais, c'est mon mari qui tenait le téléphone. Après, il me dit, la réponse qu'il m'a donnée, j'entends que Dieu enlève les gens, pourquoi lui ne m'enlève pas? C'est ce que ton mari a dit? Non, pas mon mari, le pasteur Vives Christian. Ok. Il me dit, pourquoi lui ne m'enlève pas? J'ai dit, donc c'est ce qu'on appelle un enlèvement. Il me dit, quand tu viendras dimanche, tu vas raconter ça à ma mère. Dimanche, je vais, je trouve sa mère, paix à son âme, elle est décédée maintenant. J'ai dit à sa mère, il me dit, raconte-toi à ma mère. Sa mère qui me dit, moi ce que je peux te dire, les enfants que tu as vus, c'était des anges. La personne que tu as dit, c'était Jésus. Mais toi-même, fais ce que tu veux. Et c'est quand il m'a dit ça que je suis tombé dans l'ordination. Donc je demande pardon à Dieu, je pense que je n'ai pas compris le message. Ok, tu as mal interprété. J'ai mal interprété le message. Ok. Et c'est là que qu'est-ce que tu peux dire justement ce soir à tous ces pasteurs qui sont là, juste à cette... J'ai pas encore fini. Ceux qui m'ont ordonné, dès qu'ils m'ont ordonné, c'est ma belle-fille qui m'a rappelé ça. Eux, ils sont venus s'agenouiller devant moi pour que moi, je prie pour eux. Après t'avoir ordonné? Après m'avoir ordonné. Ils sont venus s'agenouiller devant moi pour que moi, je prie pour eux. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, à toutes les sœurs et les frères. Et je parle au pasteur Tutala qui m'a rencontré ici à Caen. Frère, sors de là où tu es. Ce n'est pas Dieu. Sors de là, Tutala. C'est moi, Madame Iskinya, qui te parle. Ce n'est pas Dieu. Sors de là avec toutes les sœurs que tu entraînes et tous les autres pasteurs chez qui je suis passé. Vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous n'êtes pas dans le Seigneur. Si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, vous ne serez pas enlevé. Parce que c'est la sorcellerie, c'est la magie. Et j'ai découvert que tous ces passeurs-là sont dans la franc-maçonnerie et la rose-croix. C'est ce que je peux leur dire. Que le Seigneur soit béni, l'appel a été lancé. Que les pasteurs qui sont véritablement enfants de Dieu, qui sont du Seigneur, répondent à cette invitation. Ce n'est pas forcément obligé de venir ici, mais de renoncer à toutes ces pratiques parce que le Seigneur est à la porte. Nous ne devons plus manger à la table. Vous ne devez plus manger à la table du démon. Et il faudrait revenir à la simplicité. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de toute cet attirail-là, tout ça, là, pour prétendre servir le Seigneur véritablement. On a besoin de le servir simplement. Voilà. Dieu est dans la simplicité. Paul disait ceci aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11. Il disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Or, mes frères, je... voilà, il dit... dans le chapitre 3, n'est-ce pas? Donc 2 Corinthiens, on est dans 1 Corinthiens, 2 chapitre 13 maintenant. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 11. Là, j'ai lu 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Paul demanda à ce qu'on soit ses imitateurs, comme il a lui-même imité le Seigneur. Donc Paul n'a pas pratiqué l'ordination. Et dans 2 Corinthiens 11, 1, il dit... Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu, que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi.
car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. La simplicité. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire avant la fin de l'émission, là? Tout à l'heure, quand la sœur parlait par rapport à l'huile qu'on avait mis, donc on l'avait carrément aveuglée. Mm-hmm. Et l'huile est passée, donc elle ne voyait plus rien, donc elle était aveuglée. C'est ça, elle est entrée dans ce système-là jusqu'à ce que le Seigneur lui a fait ça. Parce qu'elle nous a dit que cette année, elle allait être ordonnée encore. Ouais. Non, on allait m'ordonner évêque cette année, en 2015. On devait te consacrer évêque. Me consacrer évêque en 2015. Cette année. Cette année. Wow. Donc ils ont promis que cette année, en 2015, c'est l'archevêque qui a dit en 2015, tu reviens ici, je veux t'ordonner évêque. Donc en fait ça va d'ordination en ordination. En ordination. Mm-hmm. Donc là ils allaient te donner quoi ça? Ils allaient mettre quoi sur ils allaient te donner une nouvelle carte professionnelle ou comment? Mais l'évêque n'est plus pasteur ni évangéliste. Mais le problème c'est que selon la Bible, l'évêque est un pasteur. Parce que le mot, ils comprennent tout à l'envers. Mais... Hein. Le mot évêque vient tout simplement d'épiscopos. Du grec épiscopos, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas. Épiscopos, c'est quoi? C'est juste la fonction de l'ancien. L'ancien. La fonction de surveiller, n'est-ce pas, de veiller sur la doctrine, sur l'organisation de l'église locale, que chaque chrétien exerce simplement son service, son appel au sein de la réunion de l'assemblée. Donc, et ce rôle-là, cette fonction-là, était exercée, justement, donc la fonction d'évêque était exercée par les cinq services dont il est question dans Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, et tout ça. Donc, c'est la confusion totale, tout est mélangé. Donc, maintenant, on allait t'appeler comment? Évêquette, évêquesse, évêquettesse. J'allais savoir le nom que me donnerait. Donc, j'ai oublié de dire quelque chose. Aujourd'hui, devant Dieu et devant le monde, je renonce à cette ordination. Amen. Je ne renonce pas au service de Dieu. Je servirai Dieu jusqu'à ma mort. Amen. Mais l'ordination de la sorcellerie qu'on m'a mis, je renonce à ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous qui nous suivez ce soir, je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui sont du Seigneur. Il y a forcément des enfants de Dieu qui nous suivent parmi les pasteurs et que je tiens à encourager parce qu'il y a de plus en plus de pasteurs qui se lèvent et qui veulent prêcher l'évangile pur. Et je tiens personnellement à vous encourager. Et nous ne voulons pas faire un amalgame. Il y a des pasteurs qui aiment le Seigneur, qui le cherchent. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs. Il y en a très peu, mais qui servent sincèrement le Seigneur. Les pasteurs qui ont été ordonnés ce soir et qui veulent intervenir, qui veulent appeler pour attester, pour donner leur témoignage, je ne sais pas. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Le numéro, n'est-ce pas, est affiché sur votre écran d'ordinateur ou votre écran de télé pour ceux qui nous suivent à partir du câble, donc depuis le câble Orao TV. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous appeler pour éventuellement nous donner vos impressions, vos témoignages. Voilà, parce que le Seigneur délivre son peuple. Voilà, une captive, une esclave des archevêques, des archipapes que le Seigneur a délivré de cette sorcellerie. Au nom de Yeshua, nous prions que tu retrouves ta santé. Amen. Amen. Oui, Amen. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on a le son du frère. Voilà. Oui, moi, je vais dire tout simplement que l'Église est malade. Mmh. Je suis d'abord du Congo, de la RDC. Et dans notre pays, je peux dire donc toutes les églises sont dans ces pratiques. Malheureusement. Malheureusement. La plupart, plus de 90%, bien sûr. Donc toutes les églises sont dans ces pratiques. Et puis, ils ne savent pas. Et tous aujourd'hui veulent être ordonnés. Mmh. Tout celui qui désire être ou bien qui devient pasteur veut être ordonné et ils doivent être enseignés. Et je pense que ce travail, donc il faut qu'il y ait une vulgarisation pour que les enfants de Dieu comprennent, comprennent la vérité. Parce que c'est la vérité qui n'est pas connue. Donc le peuple de Dieu doit être enseigné et doivent comprendre que toutes ces pratiques n'est pas des dieux. C'est ça, c'est ça. Et surtout,
pour ceux qui ne comprennent pas, qui se disent, mais oui, mais c'est quoi l'ordination? En fait, l'ordination vient de ordine, ordinaire, hein, donc ordine, et, ou encore de l'ordre. Voilà. Donc, en fait, à la base, c'était des médecins grecs qui entraient dans l'ordre des médecins. D'accord? C'est ça, à la base. Pour entrer dans le cercle des médecins, il fallait être ordonné, tout ça. Et c'était un ordre, hein, l'ordre de médecins. Donc on retrouve encore ce terme-là aujourd'hui, hein, l'ordre de médecins, tout ça. Et ensuite, l'Église romaine, n'est-ce pas, va donc au 4e siècle, d'accord. Donc au 4e siècle, l'Église romaine, l'Église catholique romaine, va, n'est-ce pas, déjà à cette époque, le ministère et la théologie étaient un domaine, hein, les deux choses ont été un domaine réservé, des domaines réservés aux prêtres. Et seule l'ordination lui donnait, donc donnait aux prêtres le droit de faire partie de ce cercle-là fermé, de ce cercle fermé. Donc d'être parmi les théologiens, accepté, d'être parmi les évêques, tout ça. Donc il fallait être absolument ordonné. Et alors l'Église romaine justement va incorporer, ça c'est terrible, les pratiques gréco-romaines, c'est-à-dire l'ordination qui se pratiquait dans les temples gréco-romains, parce qu'il y avait des temples, hein, chez les Romains, chez les Grecs, parce qu'ils avaient des panthéons où il y avait plusieurs divinités comme Zeus, comme Hermès, comme Junon, des divinités qui étaient adorées, des démons chez les Grecs et les Romains. Ils avaient des temples avec des prêtres, et les prêtres romains, on les appelait les pontifes. Hein, les pontifes, les souverains pontifes. Et l'Église romaine va prendre notamment ce terme-là, les pontifes. Donc voilà pourquoi le pape, on l'appelle le souverain pontife. Donc ils vont emprunter ça chez les Romains et ils vont emprunter beaucoup de pratiques, n'est-ce pas, païennes dans le monde, chez les Grecs et les Romains, les Égyptiens également, les Babyloniens, et ils vont les incorporer dans le christianisme, notamment l'ordination. Et ils vont faire un mélange de l'ordination qui se pratiquait dans ces temples gréco-romains, dans ces temples païens, égyptiens, babyloniens. Ils vont mélanger cela avec l'ordre, avec la consécration qui se faisait sous Moïse, lorsque les sacrificateurs étaient, n'est-ce pas, consacrés au service du Seigneur. Donc ils vont mélanger tout ça et ils vont fabriquer cette ordination que l'on voit aujourd'hui. Mes amis, beaucoup, beaucoup de pasteurs qui se font ordonner au jour d'aujourd'hui dans les églises protestantes, évangélistes, évangéliques, les églises indépendantes, pentecôtistes, tout ça. Ces pasteurs, à la base, ne voulaient pas de cette ordination. Et malheureusement, par souci, hein, de se faire connaître, de se faire un nom, par, mes amis, envie, par, mes amis, désir complètement pompeux, complètement charnel, ces pasteurs vont commencer à envier les prêtres, les prélats de l'Église catholique, de l'Église romaine. Ce prestige qu'il y a autour de l'ordination, autour de ces vêtements sacerdotaux qui créent la différence entre le clergé, c'est-à-dire le corps pastoral, et les laïcs, c'est-à-dire le peuple. Et ils vont commencer à adorer, à aimer ce prestige, c'est de l'orgueil tout simplement, le fait de vouloir se différencier sur le plan vestimentaire du peuple et tout ça là pour être adulé, magnifié, glorifié et adoré même. Et ils vont commencer à se faire ordonner, à accepter de s'habiller en collet clérical, en costume et cravate qui malheureusement devient aussi l'habit du pasteur dans la majorité des églises. Regardez bien même sur internet, sur YouTube, vous allez voir que la plupart des prédicateurs sont en costume et cravate. C'est l'habit du pasteur. Et c'est terrible au jour d'aujourd'hui de voir à quel point Paul dit, de voir à quel point on s'est éloigné de la simplicité à l'égard de Christ. D'accord? Donc, ils ont des vêtements pompeux, des tenues complètement, mes amis, séduisantes. Et en fait, on retrouve la femme d'Apocalypse 17 qui était habillée en pourpre, n'est-ce pas? Et qui mettait beaucoup plus d'accent sur son apparence. Alors que Dieu, nous dit la Bible, ne regardez pas à l'apparence, ne regarde pas ce qui frappe le regard. Dieu regarde au cœur. Or, l'ordination fait tout pour que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, soit embelli. Et extérieurement pour pouvoir séduire. Et
Certains pères de l'Église, justement, disaient, comme aussi, comment dire, Ignace d'Antioche, non, pardon, Cyprien de Carthage, qui disait que l'ordination imprime une marque indélébile sur, n'est-ce pas, l'ordonné. Et c'est, ah oui, et certains pères de l'Église disaient également que l'ordination confère à l'ordonné une puissance que personne ne peut lui arracher. Donc c'est pour cela que des milliers de pasteurs aujourd'hui cherchent à être ordonnés pour recevoir cette puissance-là. C'est pour cela que ce pasteur a volé ta bouteille d'huile, n'est-ce pas? Parce qu'il croit que pendant l'ordination, une puissance particulière est descend du ciel pour transformer, selon certains pères de l'Église, l'ordonner en un être spécial, particulier, différent du peuple. C'est pour cela qu'ils sont, il y a cette course effrénée dans laquelle se sont engagés la majorité des pasteurs, mes amis, sans se rendre compte, ils vendent leurs âmes, ils vendent leurs enfants, ils vendent leur famille, ils vendent leur couple, leur mari, leur femme, et leur santé et par-dessus tout, leur éternité. On ne devient pas pasteur lors de l'ordination. On est, mes amis, le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi dans Jean 15 et établi. C'est le Seigneur qui nous établit. Ce ne sont pas les hommes qui nous établissent. C'est le Seigneur. C'est pour cela quand je dis, frère, il faut quitter ces églises, on dit non, il casse les églises. Quittez ces assemblées. Sortez et allez vers Dieu. Allez vers le royaume de Dieu. Quittez et allez vers le Seigneur. Même si c'est les églises dans les maisons. C'est le diable, mes amis, les maisons ne font pas peur à Satan. Hein. Je vous dis qu'on est à la fin. On est à la fin. C'est pour cela qu'on ne doit plus faire les sentiments. On est dans une situation, mes amis, où beaucoup d'enfants de Dieu sont complètement confus. Et petit à petit, mes amis, on voit ces églises qui deviennent de plus en plus catholisées, qui se catholicisent de plus en plus, cette église qui se romanise de plus en plus, cette église qui de plus en plus se paganise, qui de plus en plus se jézabélise, se babylonise, cette église qui de plus en plus devient complètement, mes amis, hiérarchisée. Mais c'est impressionnant. Et chaque dimanche, des chrétiens vont dans ces églisettes, croyant adorer Dieu, sans se rendre compte, ils vont adorer leur groupe de louanges, ils vont adorer leur prédicateur, ils vont adorer, et c'est impressionnant, voilà. Donc, maintenant, si vous voulez aller au ciel, le choix est vite fait, hein. Donc, on vous encourage de choisir le Seigneur, la vérité. Ça fait mal. Beaucoup de pères de l'Église, Ignace d'Antioche, qui a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ, disait que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait Jésus-Christ lui-même. Là où était l'évêque, là où était l'église. Alors Yeshua disait, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis là. Ignace, qui a connu les apôtres, va aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Il va préparer l'église, hein, n'est-ce pas, à avoir une vision monarchique, une vision pyramidale, une vision pastorale. N'est-ce pas? Et ensuite, vous avez Clément de Rome qui a vécu au début du deuxième siècle, qui lui était pour, n'est-ce pas, qui était en faveur de l'évêque de Rome. Vous avez ensuite, mes amis, Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 258 après Jésus-Christ, qui lui disait que chaque église locale devait avoir à sa tête un seul berger. Il disait également qu'il était également pour la succession apostolique, c'est-à-dire le fait de dire que Pierre était le premier pape et à sa mort, il fallait qu'il soit, n'est-ce pas, remplacé par un autre pape, comme on le voit actuellement dans les églises romaines. Dans l'église romaine, pardon. Et c'est la confusion. La confusion totale. Ils ont élevé l'ordination à un tel degré que des milliers de pasteurs cherchent des gens ici et là pour venir chez eux afin de leur, n'est-ce pas, les établir dans leur ministère, soi-disant, en les ordonnant. Et on retrouve l'ordination chez les francs-maçons. On retrouve l'ordination chez les rosicruciens, on retrouve l'ordination chez les bouddhistes, on retrouve l'ordination, mes amis, en Égypte, hein, on retrouve l'ordination à Babylone, hein, tout est né à Babylone, on retrouve l'ordination dans lors du culte satanique, diabolique, luciférien.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains pour que vous receviez l'onction, mes amis. Vous n'avez pas besoin, si Dieu vous a appelé, de chercher des pasteurs aux États-Unis, des bishops ici et là, au Nigeria, au Congo, au Cameroun, en France, en Belgique, en Europe, pour être ordonné afin... Mais tout ça, là, c'est du charabia. Tout ça, c'est de la haute sorcellerie chrétienne. Pasteur, quittez ces lieux. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut appeler. Sinon, on arrête l'émission pour faire une émission de 20 minutes avec la jeunesse. Et c'est la confusion. Voilà. Donc, même s'il y a eu la réforme protestante, malheureusement, les réformateurs comme Calvin, Luther, eux-mêmes aussi étaient pour l'ordination. Voilà. Donc, ensuite, les églises évangéliques, tout ça, de réveil, la même chose au jour d'aujourd'hui. Moi, je vois des pasteurs que j'ai connus qui craignaient Dieu, qui avaient le feu du Saint-Esprit. Je le vois aujourd'hui, mes amis, matin, midi, soir, en costume et cravate. Ils ne peuvent plus quitter leur costume et cravate. Ils sont libres, hein, mais je me dis, mais quel gâchis, quoi. Ils peuvent même plus être simplement habillés. Et voilà, c'est impressionnant. Et chaque dimanche, ils font leur messe, quoi. Il y en a qui vont encore plus loin, soutane et collet clérical. Je me dis, mais quel gâchis. Et ils sont fiers de brandir leur diplôme. Mais recevez, c'est de garder votre diplôme si vous le souhaitez. Mais au ciel, on verra qui va recevoir véritablement la couronne. Voilà. Donc ce n'est pas ce bout de papier fait par l'homme qui va vous donner de la valeur. La valeur, c'est ce que Dieu nous donne. Voilà. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. 2 Corinthiens 18. Je n'ai pas besoin d'être recommandé par les hommes. Et aujourd'hui, on voit, mes amis, par l'émission qui va suivre, on va parler des faux prophètes qui se sont, mes amis, ligués. On va vous montrer les caractéristiques des prophètes authentiques. Vous allez voir vous-même, frères et sœurs. Appelez les gens qui ne sont pas encore connectés. Appelez vos amis qui ne sont pas connectés parce que l'émission qui va suivre, là, je crois que... Il y a des gens qui vont vouloir nous lapider même par l'écran. J'ai oublié deux choses. Il y a une chose, je ne voulais pas me faire ordonner pasteur. Moi, même les prophéties, c'était évangéliste. Donc, on m'a forcé d'un nombre de pasteurs. Je ne voulais pas. Ils m'ont dit, pour être bien reçu, bien glorifié, accepte le nom de pasteur. Voilà. Ce n'est pas ma volonté. Et une autre chose, la Bible qu'ils m'ont donnée, parce qu'ils m'ont donné une Bible. Cette Bible, quand la maison a brûlé, tout a brûlé, mais la Bible était intacte comme ça. Rien comme ça. Tout a brûlé. D'ailleurs, le frère était là, il a vu la main. Mais la Bible, je l'ai trouvée intacte là où elle était. Mais je l'ai jetée. Voilà, en tout cas, que le Seigneur te garde, hein, c'est chaud. Voilà, mes amis, on fait une pause de 5 minutes et on revient sur TV Radio de Vie. Que Dieu vous garde. À tantôt, comme disent nos bien-aimés de la Belgique, au nom de Yeshua. Mmh.